Bonjour, je m'appelle Boran, je suis étudiant en Master 1 à Neoma Business School et depuis 2018, je suis titulaire d'une RQTH. Il ne s'agit pas d'un document administratif exclusivement réservé aux employés. Personnellement, la possession d'une RQTH m'a facilité l'intégration au sein de mon école et dans mes expériences professionnelles. Lorsqu'on est étudiant, on peut engager une démarche de reconnaissance et ainsi prévoir son entrée dans le monde professionnel pour un stage, une alternance ou un premier emploi. Il faut anticiper la demande auprès de la MDPH. Pour pouvoir faire des demandes d'aménagement dès l'intégration en entreprise sans attendre d'avoir des difficultés. Je suis malentendante, c'est ce qu'on appelle un handicap invisible. Et selon moi, c'est très important de ne pas passer inaperçu. Dans ma situation, ça a permis de lever certaines incompréhensions et éviter des situations un peu délicates, comme par exemple faire répéter 3-4 fois les gens et finir par dire parce qu'en fait, j'ai toujours pas compris. Outre la bonne accessibilité des campus, j'ai un suivi régulier avec la directrice du programme et un accompagnement personnalisé par les référents du service wellness, ce qui a permis l'aménagement de mon cursus et de mes examens. Chez Ardian, on a des initiatives, des campagnes de sensibilisation, une politique qui crée ce cadre de confiance qui m'a permis d'en parler et de me déclarer. Et je savais que la nouvelle serait bien accueillie. On a toujours la liberté de faire connaître sa situation de handicap, de demander le statut et de le faire valoir au moment opportun. En étant en possession d'une RQTH, cela m'a permis de bénéficier d'un échange avec la médecine du travail pour mes stages, de l'aménagement de mon planning et de l'organisation du travail, et enfin l'aménagement de mon trajet, soit en me laissant du temps pour prendre ma voiture personnelle adaptée ou en payant les frais de VTC, notamment sur Paris. Le fait de me déclarer m'a permis de bénéficier d'un soutien administratif dans la constitution de mon dossier et d'un soutien financier pour l'aménagement de mon poste de travail. Et à titre personnel, ma RQTH me permet de me sentir plus sereine face à l'avenir en cas d'aggravation de mon handicap. À compétences égales, la RQTH est un sésame pour les étudiants et pour les salariés. C'est un bonus dans la sélection des candidatures et donc dans l'accès à l'emploi.